Drag Queen. Pour ma bande dessinée, j'ai choisi de prendre Gaston parce que ma mère m'a toujours dit que vu que j'ai le dos courbé, je ressemblais tout le temps à Gaston Lagaffe. Aussi parce que je fais plein de gaffes. Tout est désarticulé en N. J'ai décidé du coup de jouer sur des longues manches pour accentuer le côté Gaston un peu fatigué qui fait des gaffes. J'adore des chaussures. Ouais, la perruque, je me suis basé sur le fait qu'il est toujours avec une mouette et donc j'ai décidé de faire une perruque en plume. C'est beau ces petites plumes. Le col roulé, c'est vraiment le basique de Gaston Lagaffe. Ça pendouille dans tous les sens. Ouais, oh là là. Bye. Amanda Tears. Hello. Pour mon runway, le look, c'est une marsupilami un peu sexy, drag. Je porte une petite robe que j'ai faite moi-même avec une queue qui m'entoure. Une queue fouet. Voilà. Queue fouet. J'ai été vilain. T'as besoin d'une correction, j'arrive. Oui. On devrait tous avoir un petit coup de queue par jour. Quand j'étais petit, j'avais des troubles du sommeil et j'avais un doudou. C'était justement un marsupilami. Et je me sentais protégée quand il était près de moi. Très belle couleur de perruque. Ouais. Aujourd'hui, j'espère que ce marsupilami me protégera aussi. Bye. Bye. Athéna Sorgelikis. Wow. Pour le défilé de cette semaine, je suis partie du chat de Guéluc. C'est un emblème de la BD belge. Je voulais lui apporter un petit côté Kemp avec le masque qu'on le reconnaisse bien et l'enlever et avoir un côté un peu plus Catwoman kinky. C'est très créatif. Ouais. Les chaussures dans les bottes, c'est magnifique. Chalut va bien, hein. Chalut va très bien. Je me sens beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière. Du coup, je passe et j'arrive avec mes griffes, genre. Je fonce, je marche et je me prends pour Naomi Campbell. Bye. J'adore. Peach. Oh, caliente. Pour ce défilé, je suis en Natacha. C'est une hôtesse de l'air créée par Walteri. C'est une bimbo. Il se retrouve tout le temps dans des situations très cocasses. Eh ben écoute, il y a de quoi amortir en cas de chute. Hein. Voilà, vivement le 7e ciel. J'aime vraiment bien ce personnage parce que j'aime bien les grandes blondes qui ont l'air un petit peu connes, mais au final, elles ne le sont pas du tout. Madame, ça va exploser là, je pense. Ouais. Les ogives sont interdites en avion. Ben, c'est bien, Natacha. On va atterrir ensemble, ma chérie. Bye! Edna Sorgelsen. Waouh, pas mal. Mon look de runway, c'est une BD qui a bercé mon enfance, Marsupilami. Alors pour l'anecdote, il se trouve qu'un des dessinateurs du Marsupilami est le cousin de mon père, c'est Baptême. Quel jeu de jambes. Et bim. Mon Marsupilami à moi, il est fashion. Du Mugler, une taille serrée, une jupe crayon, et je vous laisse deviner où est la queue. Tu vois, si elle se fait chier dans une soirée, elle peut s'enfuir par la fenêtre avec cette longue queue de Marsupilami. Marsupilami. Mademoiselle Boop. Ouh. Ah, chouette. J'ai toujours eu une admiration folle pour Mademoiselle Jeanne, la petite secrétaire timide de Gaston. Elle est mimes. C'est vraiment cute. C'est cute. Pour incarner Mademoiselle Jeanne, il faut être un peu maladroit, un peu timide, donc j'arrive avec tous mes dossiers. Oh, dommage. Elle est maladroite. Tout ça est joué, je me prends un petit peu les pieds dans le tapis, et puis boum, le drame, je tombe. Oh, pauvre Pouf. La perruque qui se décolle. Attention à la chute des cheveux. Je me décompose. Mais attention, on voit votre culotte. On voit sa culotte. Suzanne. Waouh. J'ai choisi un personnage d'un BD flamand de Jommeke. Elle s'appelle Koningin van Onderland, qui se traduit en la reine de l'enfer. C'est très joli. Très beau, elle fait peur. Ouais. Elle est prude. Oh, non. C'est pas mal. Ça, c'est marrant. J'ai cette large cape en mauve. En dessous, je suis complètement couvert en latex, ce qui donne quand même un peu ce twist BDSM sensuel. T'as envie de l'avoir glissé sur quelque chose, tu vois? Non. Je me sens comme la evil queen. Alors, j'espère que les juges vont vraiment voir que je suis complètement dedans. Mocha Bonnet. Oh? Moi, je choisis Marsupilami, mon version mocha bonnet. Oh, magnifique. Wow. Wow. Mon look, c'est un look 80s avec une coiffure de punk, un petit maillot aérobic tenu et avec une queue tellement grande. C'est la plus grosse queue qu'on a vue aujourd'hui. Exactement. Ah oui, écoute, bravo pour ça. Et Dieu sait que j'ai voyagé. Yeah,
Je pense que le jury va adorer mon look. Et voilà, la scène est toute propre. Ouais. Oui. Elle fait les poussières en même temps. C'était... C'est ça. Bye. Balenciaga. Oh. Hello. Oh, elle fait le tricot. Ce sont les couleurs du drapeau trans. J'ai pris Tantillioni parce que Tantillioni, pour moi, c'est une icône trans. On ne sait pas trop si c'est une femme. Elle est grande, elle est plate, elle n'a pas de forme. Je vais enlever la jupe et la jupe, elle s'enlève pas. Je trébuche, je me dis, oh, c'est fini pour moi. Pas toujours facile, se déshabiller. Non. Je continue parce que c'est le seul truc que je peux faire. C'est ce qu'on appelle avoir de la gueule. Yes. Ça me fait penser à ma prof de maths. T'es dur. Bye. Bye. Merci, c'est d'avoir.